la compréhension que les gens ont de l'expression « nourriture chère » varie considérablement. Pour certains, cela signifie le saumon rouge, pour les autres, ce sont les truffes. Cependant, il existe en fait toute une gamme de produits alimentaires dont le prix aurait été impossible à imaginer. Qu'est-ce qui rend ces produits si coûteux? Et valent-ils vraiment leur prix? Découvrez dans cette vidéo quelques-uns des aliments les plus chers de la planète. Le cinquième va vous surprendre. Surtout, dites-nous dans les commentaires combien de ces aliments vous avez déjà essayé. C'est parti. 1. Le caviar. Le caviar est l'œuf mariné du poisson d'esturgeon et est considéré comme l'un des grands délices du monde. C'est difficile à manipuler et à empaqueter mais, plus important encore, c'est incroyablement rare. Le caviar le plus célèbre provient de l'esturgeon beluga, que l'on trouve dans la mer Caspienne et en mer Noire. Maintenant en danger critique d'extinction, très peu de ces œufs peuvent être vendus légalement. Il faut jusqu'à 2 décennies pour que l'esturgeon beluga atteigne sa maturité et sa taille adulte. Les œufs d'esturgeon albinos sont encore plus rares et maintenant presque éteints dans leur environnement d'origine. 1 kg de ce caviar coûte 8 500 €. Cependant, selon le Guinness World Record, le caviar le plus cher enregistré provient d'un esturgeon albinos peut-être âgé de 100 ans et dont le caviar blanc s'est vendu à environ 31 900 € le kilogramme. 2. Le safran. Si votre riz est d'un jaune lumineux, il y a de fortes chances qu'il partage une casserole avec du safran. L'épice, surnommée rouge, est la stigmatisation cramoisie vive ou fils d'une fleur de crocus, et elle est utilisée comme colorant dans les aliments. Pourquoi quelque chose d'aussi petit coûte-t-il si cher? Il est, poids pour poids, plus cher que l'or lui-même. Les raisons sont simples. Les crocus au safran ne fleurissent qu'une semaine ou deux par an en automne. La récolte des épices demande beaucoup de travail. Elle est récoltée et transformée à la main, et chaque petite fleur n'a que 3 stigmates, ce qui signifie qu'il faut environ 2 terrains de football de crocus pour créer 1 kg de safran. Cela représente jusqu'à 300 000 fleurs. Le coût de cet assaisonnement peut varier de 370 € à 925 € par kilogramme. 3. La soupe au nid d'hirondelle. Le nid de ces oiseaux est fait presque entièrement de leur salive, sans aucun ajout de matière étrangère. Par conséquent, leurs nids sont devenus une délicatesse dans la cuisine chinoise. Le prix élevé de ce plat s'explique facilement. La collecte des nids d'hirondelles est une activité quelque peu dangereuse. Les oiseaux construisent leurs nids sur des falaises abruptes, où le risque de chute est très élevé. Le coût de cette délicatesse est donc d'environ 2 780 € le kilogramme. 4. Le café luwak. Techniquement, c'est une boisson. Mais avec des sacs de café se vendant jusqu'à 700 $ le kilo, il mérite certainement sa place sur cette liste. Ce café est produit en quantités industrielles en Indonésie, aux Philippines et dans le sud de l'Inde. Le café luwak est le café le plus cher du monde. Son coût peut atteindre les 1 000 € le kilogramme voire plus. Il est célèbre pour la manière très spécialisée dont il est traité. Le café luwak, ou café de civette, est fabriqué à partir de grains de café consommés, en partie digérés puis déféqués par la civette ou le chat de la civette. Ça n'a pas l'air si appétissant. Vérifiez toujours d'où vient votre café. Certains croient que la digestion et la fermentation de la partie causée par l'acide gastrique de l'animal rehaussent la saveur du café, d'autres critiquent s'accordant à dire qu'il s'agit simplement d'un gadget résultant en un expresso vraiment terrible. Malheureusement, il existe un nombre croissant de fermes intensives de civettes, où les animaux sont confinés dans des cages un peu comme les poules à batterie et nourries de force. Cela vaut la peine de faire vos recherches avant d'acheter. 5. Le poulet ayam smani. Le poulet ayam smani est élevé en Indonésie, mais il n'est pas exporté vers différents pays par crainte qu'il ne propage la grippe aviaire. Cette race de volaille est si rare qu'un poussin coûte environ 200 $ en Indonésie. Et à l'extérieur du pays, ce prix peut atteindre des milliers de dollars. Cependant, en Malaisie, l'ayam smani est si commun que son prix n'est pas supérieur à celui d'un poulet ordinaire. 6. Le fromage d'Orignal. L'un des fromages les plus chers au monde est le fromage d'Orignal, qui est produit dans un seul endroit, à la ferme Moussaus en Suède. Le lait d'Orignal est nécessaire pour le produire. Le fromage d'Orignal est de couleur blanche et son aspect rappelle le fromage feta. Il coûte environ 1 000 € par kilogramme, et il est fabriqué en quantité très limitée. 7. Les truffes blanches. Trouvées dans la région du Piémont en Italie du Nord,
Les truffes blanches très appréciées ne poussent que parmi les racines de certains arbres, sont beaucoup plus rares que tout autre type de truffe et ont une saveur et un arôme particulièrement intenses. Ils ne peuvent pas être cultivés. Bien que les gens aient essayé depuis des générations de cultiver les truffes, ils ne peuvent toujours être obtenus qu'à l'état sauvage. C'est cette imprévisibilité, ainsi que les distances qu'il faut parcourir pour les localiser et les récolter qui entraînent leur prix élevé. La somme record payée pour une seule truffe blanche a été versée par le propriétaire du casino de Macao, Stanley Ho, en 2007. Il a dépensé près de 305 000 euros pour l'une des plus grandes truffes découvertes depuis des décennies pesant 1,5 kg. Un prix assez extraordinaire pour un champignon souterrain piquant. Alors maintenant que vous aviez pris connaissance de ces nourritures les plus chères au monde, dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-nous combien d'entre eux vous avez déjà essayé. Trouvez-vous normal qu'on investisse autant dans la bouffe alors qu'il est possible de trouver les nutriments qu'ils offrent dans d'autres aliments moins coûteux? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous aussi pour nous aider à développer la chaîne et cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt.